Oui. C'est qui? Ah oui, mais Non. c'est un débile lui aussi, on peut pas se fier à son avis. On peut pas. Attends, je comprends pas. Mais faites pas d'efforts pour comprendre. C'est qui, oui? Ah, mais non, mais Mais d'accord. ok, c'est bon. Attends, bougez pas, j'ai envie de rigoler. Rigoler. Ah 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 ah. Oh wow. Oh ah. Je m'ennuie ferme. Non. Non. Ah non. Mais il y avait une ophidienne ici avant. Une quoi? Une ophidienne. C'est qui? Ouais, c'est une Une... basilique, quoi. C'est qui? Ça. Mais ça. Ah oui, Bonjour. effectivement. Vous êtes où? Bah, derrière toi, ceci. Ah, mais non, mais ça apparaît au fur et à mesure. Ouais, c'était ce qui me J'ai pas semblait. vu l'intérieur. Non. Il y a plein de bestiaux. Regarde, là, il en manque. Attends. Je veux plus ping. Ça veut plus? Ah oui, Ouais, enfin, effectivement. bref. Ah oui, celui-là. J'avais pas vu. Ah, au fur et à mesure que tu fais les zones, en fait, il te... Ah, même le dragon là-dessus. Trop Vous stylé. avez vu ça? Wow. Enfin, la witherne. Ah, il y a les... J'ai Chien pillé requin. mon troisième œil. Ah ouais, c'est stylé. Son chien? Les poissons chiens, monsieur. Il passe son chien. Et d'ailleurs, il en reste... Il reste trois machins. Mais là, Prenez-en la un peu. Wyvern, là, elle est stylée. Cela requiert votre attention. Ah, il y a une extension derrière qu'on voit pas. Ah purée. Oh, il va se calmer l'autre, hein. Oh, t'as rebours. Ah, ça va péter. Ça va péter. Péter. Oh. Waouh. Crêpes pois où? Tiens, moi j'ai mangé des crêpes ce soir pour être original. Wow. Vous êtes gros. Oui. Ce sanctuaire Je est crois. dédié à Dans la Ganèche, le dieu des coups critiques. Ouais, nouvelle zone. C'est une zone de quoi, hein? D'habitude en plus. Une zone tout de suite. Bonjour. Bonjour. Non. Bonsoir. C'est le point le plus profond de l'océan. Les Oh. rayons du soleil Oh. n'atteignent presque jamais. Ouh, Bon. ça me revient. Par contre, ils Vous auraient êtes de pas retour après tous personne de n'était nous là. montrer que des Donc crabes. c'était moi, son préféré. Ouais. Et regarde comment j'ai fini. Ah, c'est aussi un peu Brancard toujours le même contre environnement, un Giscard. peu bas Et sous l'eau en fait. encore un couteau dans le dos. Oui. Là, ça fait trois là. Ouais. J'aime pas trop beaucoup ça. Oui. Bon là tes deux zones elles ont l'air pareilles que les autres. Hein. Baraka Même un de peu plus petite butin plus celle-ci. 12%. Voilà. Ça Mais va? bon, un mollet légendaire. Plus 12%. Vous trouvez pas que vous abusez un peu?
ici, peau douce. Peau douce. Oh, Pouscal. La façon dont elle a dit peau douce, j'ai l'impression que ça devrait me vexer. Franchement, je vois même pas l'intérêt d'avoir de la peau. Des fois c'est trop gras, des fois c'est trop sec. Très peu pour moi. Tu peux pas comprendre, c'est un truc de peau. Ok, la prochaine personne qui dit peau, ça te combustionne. C'est elle qui l'a dit. Oh, je viens m'aventurer dans les abysses en quête de noirceur et de frissons. Très franchement, vous me laissez. Je suis désolée. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas parlé à qui ce soit. Moi j'ai un rêve dans la vie, c'est de devenir gros. C'est pas cher ça. Je peux vous y aider. Mais non, si c'est cher. Prenez ce code. Je l'avais dit, c'est cher. Bah oui, mais on n'arrête pas de le dire, on fait n'importe quoi à vouloir tout à fait. Vous avez dit, laissez ces petits pois tranquilles. Oh. Oui, en fait. T'as acheté des petits pois? Ouais. Ont droit d'accès à l'abysse sans outil. Ce code vous permettra de parler notre langue. Il existe 3 autres hôtels. Il vous faudra lire leurs inscriptions à voix haute pour ouvrir les portes du temple du sacrifice. Cet endroit était autrefois sacré pour mes sœurs et moi. À l'époque où nous partagions les dieux. Pardon. Attendez, vous tirez des encres. Non, ça tire pas des encres. Il tire tes encres. Ok. Moi j'ai peur d'un lien. Le mec tire des encres avec son sou. Elle me fout un peu les jetons. Quoi? Et pas seulement parce qu'elle a dit le mot interdit. J'avoue, ces histoires de chaînes, de noyades, de sacrifices là. Oh, bonjour l'angoisse. Bonne nuit. Mais non, elle est géniale. Faut vraiment vous les pieds. Allez, il dit bonne nuit les poulets. Bonne nuit les poulets. Il y a des poulets. Okay, bonne nuit les poulets. Bonne nuit les poulets. Les poulets gris et les poulets brisés. Les poulets arrondis. Poulets grillés. Oh. Hein? Ah, bah, je l'ai pas vu. Je suis un cassos. Ça c'est un dé qui porte chance. Oui, en fait, je sais pas si t'as vu pour le prochain The Witcher. Il y a des news encore? Bah, on sait que ce sera pas avec avec Geralt. Ah ouais, bah en même temps c'était un peu évident. Son histoire était finie et ça pouvait ne se passer qu'avec Ciri. De la maison du lynx. Voilà. C'est officiel ça parce qu'il y avait lynx chat. Oui. C'est officiel. Oui. Il y a quelqu'un qui a demandé c'est le médaillon de la maison du lynx et le gars qui, enfin je sais plus. Je ne sais plus quel poste il avait là-bas, mais en gros, il a juste répondu avec un gif qui dit oui. D'accord. Alors du coup, je sais pas si avec Ciri, parce que Ciri, c'est l'école du chat. Non. L'école du lynx, en fait, ça vient d'une apparemment d'une fanfiction qui se passe après The Witcher, en fait. Ah ouais, donc du coup, avant. La maison du chat a été reconstruite en la maison du lynx. Ah ouais. Donc voilà. On partira sur une histoire. Façon, il y en je avait... pense que c'est tant mieux et j'espère que ce sera pas. Enfin, que ce sera justement. De toute façon, il n'y a pas de. Ouais, à part des chapitres, il n'y a rien de. Moins saoulant. Ah oui. Oh, bon, je trouve pas. T'as des trucs un peu. Ça sera plus ouvert à tous les joueurs, tu vois. Encore du légendaire. Oh, c'est un pistolet. Vous avez toujours du légendaire. C'est un pistolet, enfin. Et c'est puissant. Enfin, c'est rigolo. Ah, mais c'est le même qu'on a à chaque fois. Ah bon? T'as eu ça, toi? Oui. Oui, au début du jeu. Ouais. C'est rigolo. Et joli. Il y a des petites étoiles dessus. Ouais. Mais c'était pas sur ce compte, enfin, sur ce perso-là. Bon, ça fait pas de dégâts. En tout cas, j'ai hâte de voir parce que The Witcher sur Unreal 5, mon pote. J'espère juste qu'ils auront appris leurs erreurs, quoi, avec Saber. Ils vont pas nous reproduire les mêmes débilités. Il y a une quête secondaire là-bas. Là-bas.
J'espère que ce sera accessible aux gens qui ne connaissent pas forcément l'univers. Oui. Bah c'est une nouvelle histoire, ouais. Il y a peut-être des clins d'œil, je pense, mais. Vous devez absolument empêcher leur chant obsédant de sirène. Mes marins ont été attirés dans leur filet. Et vers leur fin, assurément. Ah bah voilà. Nul. Nul. Bien arrêté moi-même, mais les débris projetés par cette. Une grande arc antique. Ont pris au piège ici. Ah oui. C'est quoi? Maudite de mes marins. Sniper. Ah oui, mais j'ai oublié de relancer Mako. Non. Je crois que. J'ai toujours voulu entendre. Je crois que mon téléphone est encore bloqué. Juste pour vérifier, le pirate qui parlait de sirène, c'est bien ça? Celle qui attire les marins vers leur fin en les noyant. Et pas les meufs au pouvoir psychique qui existent vraiment dans notre monde. Voilà, vous avez. J'ai dit ceci. Il en douille. Vous êtes moins teubé. Il fait exactement la même erreur que moi. Ouais. J'ai glissé. J'ai du savon sur les mains. Vous avez trouvé une perle. Mais non. Vous vous souvenez ce qu'il faut faire, hein? Parce que moi, non. Ah, me dis aussi. La cérémonie de symbiose était sublime. Eldon et moi, nous sommes tenus la main sous une arche en écaille de Léviathan, qui n'empestait pas plus que des carcasses de poissons millénaires. Il m'a expliqué qu'il transmutait mes pouvoirs en une sorte d'énergie magique. Mais je n'ai ressenti qu'un simple pigottement. L'impression. C'est souvent le cas auprès de lui. Mais ils sont panés. L'impression. Ils sont panés. Non, c'est pas des poissons. Non. C'est des lardons. À gauche. Encore un peu plus à gauche. Oui. Je pense à quoi là? Pas tout compris. Mais bon. Oui. Il est fou. T'as compris, c'est des poissons. Et puis après. À gauche. Espèce de grognasse. Sous le charme de ces ophidiennes. Tout juste, il va falloir faire tout ce qu'elles disent. On croirait entendre Carole. J'ai vraiment envie de savoir ou pas. Ok, non. Tout a commencé quand nos regards se sont croisés dans un bar d'Edon 6. Hé, hey, qu'est-ce que je viens de dire? Oh que non. Tout juste. C'est bon, j'ai pigé. C'est là-bas. Y'a rien du coup ici? Oui, mais on peut pas y aller. Oh. Ah. Ça sera pour la fin de la quête peut-être.
faut que j'aille faire un truc. Ouais, c'est bon. Blablabla. J'essaie de relancer ma go vite fait. Je crois qu'il n'a pas écouté. Non, mais en fait, c'est ça au moment où je suis actif. Mais c'est juste des vagues d'ennemis donc. Oh là, bah j'ai crash. Ah bah moi j'ai crash. Super. Oh non. Le truc c'est que tu vas être obligé aussi de relancer, est-ce qu'il va encore me détecter dans la game et je peux pas te rejoindre. Trop relou ça. Oh sérieux quoi. Hey. Ah, et puis il arrive plus à se reconnecter à Shift maintenant. Faut que je relance le jeu. Moi je vais pas rejoindre Joël. On me dit la session à l'autre n'existe plus. Je vais m'énerver. Ouais, parce que du coup j'ai crash. C'est pas de notre faute, c'est le jeu, il crash tout le temps. Mais ouais. Mais vous m'énervez quand même. Mais il va écouter trop peu. Il y a des saucisses et tout. Oui, bah écoutez, on a des saucisses, mais on fait ce qu'on peut. C'est leur jeu, il est tout pété. Non, des saucisses. On n'est pas chiche. Moi ça, on n'est pas chiche d'être des saucisses. On n'est pas chiche d'être saucisses. Ah, t'es si bien parti. C'est marrant parce que c'est toujours... Il y a Zarko d'abord qui s'en va, et moi je suis toujours derrière. Pour l'instant, je sais que c'est lié. C'est votre... Mais il n'y a aucune raison que ce soit lié. Non mais, je vois, vous faites... soit vous crachez, soit vous partez, c'est moi qui vous m'en vais. Après. Moi, j'ai dit que tout est de sa faute en fait. Voilà. Bonjour. Il est là. Manger. Non, pas invité. Manger. J'ai mangé des nouilles. Non, taisez-vous. Vous n'avez pas la parole. Parole ? C'est vrai, j'ai mangé des nouilles. Vous n'avez pas la parole. C'est bon les nouilles. Et moi aussi j'ai mangé des nouilles. Moi j'ai mangé des crêpes. Oui. Bon, vous rejoignez ou pas ? Attendez, je... J'y arrive, ça charge. Je peux pas. Moi ça marche. Vous êtes gros.
Ah, il a dit. Je peux pas, mais en fait, je non, mais il te mettait en personnage en attente et je ne pouvais pas rejoindre. Oui, mais on connaît. L'habitude. J'ai tout insecté que des mensonges. Si la quatrième zone, elle est encore sur ce thème-là, je suis pas t'inquiète. Oui, moi aussi, parce que j'aime pas. Bah, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que surtout que ça fait la troisième zone, quoi. Qui est exactement pareil avec les mêmes mes ennemis et tout, là. J'aime bien une fois, mais pas deux, déjà. Ça m'énerve. Et je t'avoue que ça me déçoit un petit peu de voir ça. C'est là qu'ils ont recyclé en fait. C'est pas peut-être plus tout le temps les mêmes mobs en plus. Mais ouais. La seule différence c'est que ceux-là ils parlent. C'est des crabes conscients. Ouais. Je suis tombé. C'est quoi ça? D'accord. Qui es-tu? Et où suis-je? Je me suis posé les mêmes questions le jour où les sœurs sinueuses nous ont maudits, moi et mes frères d'enfants. Une araignée. En nous dotant de conscience. Mélange un crabe. Fascinant. Parce que c'est une araignée de mer. Oui, c'est ça. Maudite soit la pleine conscience, une série sans fin de qui se touche. Faut que tu changes les couleurs de ton perso parce que ça pique les yeux quand même. Légendaire. Où ça? Là-bas. Tout ce que je veux, tout ce que nous voulons. C'est marrant parce que chaque fois que tu dis légendaire, t'es en train de mourir. Oui, c'est parce que je reste à regarder le truc. Je me prends des dégâts. Non, j'ai un de freeze. C'est bon, non, j'ai défrise. Il faut faire un effort aussi à un moment. C'est votre quoi, elle est pétée. Ça sert à rien. Et j'ai pas pu te ré. Je sais pas ce que j'ai chopé. Qui souhaite recevoir des soins? Si tu voulais savoir qui d'entre nous était plus fort, maintenant tu le sais. C'est un. Ta force n'est rien face à un cœur courageux. C'est quoi ce crâne? C'est un sort que j'ai chopé. Crabe qui lance des rayons laser avec ses yeux. Quoi? Ah ouais? Crabe au regard noir. Il s'appelle. C'est moi qui ai fait ça. Oh, je suis super rapide. Ah d'accord, vous êtes resté là-bas. Au cœur des abysses océaniques, ah, Drill perpétue son règne cryptique. Il vous plaît le poème? Vous pourrez écouter la suite à la taverne de Savo Ardent. Je pensais écouter la suite. Je sais pas si on écoute la suite. Mais pourquoi les crabes pourraient pas détruire les coq-parleurs eux-mêmes? Excellente question, ça. Oh. Non. Oh. Ah, pique. Ah bon? Non. Et voilà, je suis super vide. Mais vous me rattraperez jamais. C'est vrai que c'était ça que vous avez fait. On va booster les 20 numéros. Tu peux pas tester. Chance, dis donc. Ok. Mais je peux pas tester. J'ai le seum. J'ai causé. Mes maléfices sont de retour. Alors je suis perdu, moi. Oui. Oui. Et là-bas. Mangeoire!
Il est là-bas. Nous aurions pu tenter de détruire les coq-parleurs nous-mêmes, mais nos pinces sont plus décoratives que ce que les gens imaginent. Ah, ça c'est par contre c'est énervant. C'est vrai qu'ils mettent un truc pour que tu sois invincible quand tu fais ta compétence. Ouais. Parce qu'à chaque fois, moi je meurs quand je le mets. Hein. Parce qu'il me one-shot le truc. Ah voilà. Admirez. Un coffre. Ça se présente vraiment bien. Dénoué, yeah. Oh. Super. Allez, sortez un peu de votre trou, qu'on en finisse. Tiens, tiens. Mais c'est notre ami. Hop. Voilà. Aïe. Je meurs. Il va mourir. C'est sérieux. Vous me l'avez pas lancé en pleine poire, monsieur. Mais vous avez pas de vie. Oui. Mais je dis pas le contraire. Attends, j'aurais dû te balancer ça. Dans le mode légendaire, là. On le radin. Rien. Rien. C'est vrai que tu es une légende. Maintenant que la malédiction ne vaut plus, je sens ma conscience de Elle trouve du truc comme ça. C'est bon, tout pourri. C'est à se demander ce qu'il sait de plus que nous. Plus rien maintenant, j'imagine. À chaque ennemi vaincu, je m'élève. On a fini. Ah. C'est pour machin qui vole. Eux qui mettent les ennemis sont 6. Ils sont gras. Oula. Ah. Ouais. Et voilà, je suis invincible en plus quand je mets la compétence. Allez. Faut cheater. Pas mal. Cela ne vaut certes pas mes prouesses, mais tu te débrouilles fort bien. Ah d'accord. Voilà. Simplement avancer. Ne pas se retourner. Ouais, sinon c'est... ça veut rien dire. Dans un sens, oui. Non, ça veut dans rien un dire. Sens. Dans tous les sens. Wow. Ah. C'est dommage. Oh, mais de la chance. Ah mais c'est plus tout. Tuer. Pourquoi t'as fait 8? Bah c'est bien. Non. Tu n'avais pas honte. C'est nul. Moi j'ai ça. Voilà. Ouais, d'accord. Et vous l'avez pas. Ah bah non, je l'ai pas, non. Non. Je saurais si je l'avais. Prêtant découdre.
Votre cabale est finie. L'arme de l'hiver. Tous ne meurent pas. Léo, prépare-toi. L'apercevez-vous? Non, je n'aperçois rien du tout. Je vois rien. Oh ben, allez, parce que je suis trop... Oh, alors rien. Bah c'est vrai, j'ai rien. Je fais que des 20, mais il n'y a jamais rien. Voilà. Tu savais pas grand chose du coup, hein. N'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Un sort, c'est une mitraillette. Trop bien. On n'a plus de d'armes qui marchent. Hein. Qui te suit. Les armes qui marchent. Oui. Comme dans le 3. La mienne, elle marche bien. Non, mais t'avais des petites des armes qui marchaient. Oui, mais c'est des armes qui volent. Okay, t'as gagné, voilà. Curieux de savoir. Dis-moi plus sur ce voyage. Je suis pas d'accord. Cette ville était jadis un modèle de civilisation. Symbole de l'unité des Ophidiens. Mais certaines avaient soif de pouvoir et s'allièrent au dieu du néant, qu'on appelle Dril. Quand il fut condamné au profondeur par les autres dieux, la ville fut entraînée avec lui dans sa chute. Ah ouais, c'est pas... J'étais là lors de la grande scission, lorsque notre ville a lié son sort à celui de Dril, malgré mes avertissements. Depuis, je garde cet endroit. Avec pour unique compagnie les cris déments de mes sœurs d'autrefois. Ce fut une véritable tragédie. De quel côté il est parti? Mais... Ah oui, il est tout là-bas. Ah oui. Nous, au table des méchants, et non, lui, il s'en va. C'est un méchant. Merde, sinon on l'aurait tapé. Ah moi je le tape, mais ça marche. Ah. Ne fais pas un pas de plus. J'ai boulet de glace. Hey, déjà la moitié. 19 et même pas de légendaire. Ça sert à rien. Eh mais il y avait une apparence. J'en ai rien à faire. C'est une emote. C'est vrai. Non, il y a des bulles. Il y a des bulles. Vous allez pouvoir buller. Hein? Des bloops. Il était bleu. Rechargement preste. Donc. N'approche pas de moi.
vas enfin rencontrer ton destin. Qui t'a enseigné l'art de l'occulte? Ça c'est un dé qui porte chance. Déloré, yeah. Non. Il a fait 2. N'a pas honte. Ressentez ça, mes soeurs. Non, c'est parce qu'il y avait un 0 avec, t'as pas vu ce tout. Ouais. Et 0-2? Je vois pas trop si ça change. J'avoue. Mais intelligent. Ouais, mais vous taisez-vous, vous les faites même pas l'idée parce que vous êtes une andouille. Oui. Bon, moi j'ai fait ce que je sais. Dommage. Vous pouvez entrer dans le temple du sacrifice. Ah, vous les trouvez pas, vous. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est nous le sacrifice? Oh, arrête! Elle est cool, Xara, ok? Elle ne sait vraiment pas faire dans la subtilité. On sait déjà, toi et moi, comment tout ça va se terminer. Même après la noyade, mes sœurs ont continué la pratique de rituels profanes. J'ai observé leurs rites et les connais parfaitement. Nous devons allumer un feu. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un feu dans un temple sous-marin? Ah, embuscade surprise! H.M. Sont morts quand on a fait sauter l'océan. Bon, et bah, très bien, hein. Il y en a un dans un coffre juste devant. Ce poisson est mort. Il peut quand même allumer un feu. Waouh, Valentine, je savais pas qu'on avait un poissologue avec nous. C'est un poisson magique. Et il est rempli de feu magique. À l'intérieur. Bigé. Rien. Mouah. À la dernière étape de votre passage. Vous voyez, c'est pas vous qu'elle voulait sacrifier finalement. Elle est cool. Je sais pas. Moi, je me sens un peu à fleur de peau. Tu disais? Litesse. À fleur de peau. Oui, monsieur. T'es sûr que t'allais pas dire tout cassé. Genre, le mot interdit? Non. Parce qu'on a encore un peu de temps pour une petite autocombustion. Non. J'ai juste employé une expression tout à fait classique du domaine courant. À fleur de politesse, c'est tout. Ouais. Calamité ! Ainsi finit la portion mineure de cette œuvre. Thank you.
Là, monsieur. Ah oui, lui, il faut le taper. Oh, punaise. Non. Tu ne pensais tout de même pas que j'en avais terminé. Poisson rouge, mais c'est un poisson doré. Ça passe tout là. Non. C'est nul. Les cosmétiques. Oh, un légendaire. Pas du tout. Monsieur, vous faites erreur. Non. Pas par là, c'est nul par là. J'aime pas. Lorsque les Ophidiennes nous ont attaqué, et je suis le dernier survivant. Vous pourriez vous occuper d'elle maintenant, par exemple. Sélection, allez-vous porter. Tu aurais dû te rendre quand tu le pouvais encore. Repars tout de suite et tu voudras peut-être. Prépare-toi. Colère divine. Oh. Ah, il y a une madame un peu énervée à côté. D'accord. J'ai pas dû faire mon outil. Loin, beaucoup trop loin. C'est Trancham, le trancheur d'âmes. La diplomatie, ce n'est même pas dans le top 10. Oh, mais j'ai appris un nouveau sort, personnification. Avec ça, je peux absorber des essences magiques et transformer ma voix. Une minute, Claptrap est même pas là. Ouais, comment il est censé faire quoi que ce soit? Une petite seconde. J'ai aussi appris le sort téléport. Pas besoin de roue quand on a au moins 15 emplacements de sorts en stock. Et bam, dans les dents, Claptrap. Pas une minute à perdre. Tu vois où se trouve le projectile magique? On se retrouve là-bas. Ce missile est rempli à ras-bord d'essence magique pour rendre ma voix encore plus époustouflante. T'auras qu'à me rattraper avec des jambes toutes nulles. Te voilà. Super.
j'ai besoin de ton aide. Pour que le sort fonctionne, il faut que l'ambiance soit parfaite. Alors vas-y. Non, mais c'est le Magic Missile, il est là. Ah, oh, mais j'en ai marre. Ah, il crache. Ça marche. Ma voix, elle change. Je suis une machine à négociation implacable. Tu nerves, Zach. Il faut qu'on teste ma voix sur le terrain. J'ai repéré des officiers à pacifier. Rejoins-moi là-bas si tu veux pas que je t'enfonce ma meule roue bien profond dans le pot d'échappement à te faire recracher de l'huile de vidange. C'est le moment. Non. Vous avez lancé du coup. Ça, ça ne ressemble plus à rien. Vous avez lancé du coup. Yeah. Ah. Il est disparu dans les couloirs du temps. Toujours plein. Alors voilà. Merde. Ouais. Là c'est Windows crash. On veut bien le croire. Ça n'arrête pas, c'est insupportable. Ça est le jeu. Le jeu encore, bon c'était une chose, c'est sûr que c'est énervant, mais là c'est mon Windows surtout qui m'embête. C'est pratiquement tous les jours. Ouais. Là, j'ai bien fait d'aller voir aussi les sauvegardes parce que là c'était le profil qui était corrompu. Il se trouve, il m'aurait tout réinitialisé. D'accord.
Hey. Hugo en a profité pour s'absenter, le saucisse. Bah, il a renoncé, mais il parle pas de tout ça. Bah. Ah. Oui, mais il y a pas grand chose à dire. Hein. Mais. Faut que je télécharge le. Enfin, un ISO d'installation de Windows sur le site de Windows d'ailleurs. Pour faire une réparation. Ouais. En espérant que ça change quelque chose. Pas besoin de. D'ISO, faut juste une clé USB. Ouais. Puis il faut que tu télécharges l'outil. Fourni par Microsoft. Ouais, bah, de ce que j'ai vu, eux, ce qu'ils préconisent, c'est oui, voilà, de faire une réparation avec une. Bon, avec une clé, mais avec un. Mais à mon avis, ça changera rien. Ouais. Quand Windows est cassé, c'est pas une réparation qui va la réparer. Aussi débile que ça puisse paraître. C'est toujours temporaire. On va voir que ça fait rien du tout. Ouais. Du coup, faut que j'attende une mise à jour qui va réparer les. Non, faut que tu réinstalles complètement. Oh. C'est toujours comme ça, quand t'as des crashs qui commencent à apparaître et que ça part pas, c'est. Malheureusement, souvent, il vaut mieux tout réinstaller. Je suis seul à avoir pas genre hyper loin. Non. Moi je dis que le mieux c'est de passer à Windows 11. Ah ouais? Bah ouais, parce que franchement il marche. Encore jamais eu de problème avec. Et de toute façon je vais pas trop avoir le choix. Hein. Si Windows 10 il reste cassé à ce point là. Ce monde n'est pas pour toi. Un dé là. Ah ouais? Ouais, c'est celui que j'ai pris. J'ai pris celui-ci. Non mais tu l'avais ping ou pas? Ouais. Ouais, je l'ai pingé avec le coffre. Il y en a encore un là. Il m'a même dit c'est nul. Oh. Ah bah d'accord, je suis deux fois la même personnalisation. Je vous déteste mais... à tous, sauf toi. J'arrive pas à ressortir. Non, tu peux pas. Si, je vais décider.
On peut le Magic Missile, il est là. Le fameux. Celui avec lequel on a démonté la mer. Bah pas avec celui-là, parce que visiblement elle n'a pas fonctionné. Ah, un reste. Oh, flexion à vos portées. Mais... Non mais arrêtez de mourir vous. On est trop proche. Jamais plus de baume au cœur que la gambade. Oui, je sens le pouvoir des fleurs qui envahissent les petits capacitants. Je me sens en harmonie avec le chant floral du cosmos. Ouais, mec, le pouvoir des fleurs. J'ai vu des potes ophidiennes qui auraient bien besoin de se détendre. Rejoins-moi quand tu as envie. Jeune diplomate, je crois en toi. Hé les gars, écoutez, on est tous des enfants de l'univers. Alors si vous pouviez, je sais pas, arrêter de tuer nos frères et sœurs archéologues et laisser une chance à la paix, ce serait vraiment top. Faites l'amour, pas la guerre, pas vrai? Boulet de glace. Dénoré, yeah. Lui y était, mais on fera le butin. En duel, mais nous sommes seuls. Débrouille-toi, Spire. J'ai pas que ça à faire. Très. Aïe, qu'est-ce que. Tu sais quoi? Changement de contrat. Je peux rien faire si tu me cognes dessus. Alors frappe le but à pirate pendant que je fais ma magie. Oh, j'ai vraiment hâte de parler comme un pirate qui est un bravo. Ah, ça lui saute. Marchand de thé. Oh, que terrible ma
pas de gâcher un bon thé ou une bonne voix de marchand de thé. On va essayer de faire entendre raison à ces maudits sophidiens. Mais monsieur, c'est pas par là. Faites-le pas. Cela requiert votre attention. Non. J'ai pis de mon troisième œil. Ah bah oui, d'accord. Une fois que je suis descendu, vous le dites. Dites. Que dalle. Ouais, non, je pourrais pas passer. Eh, tu vas la faire, cette énigme. Mazette, j'ai comme l'impression qu'il y a une énigme par ici. Bah, vas-y. Je t'attends. Ça, elle est simple. C'est Starlink. Yeah. Hein? Ah bah, c'est fini. Le temps est écoulé. Mais je peux pas revenir. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Il fait quoi? Je sais pas trop ce qu'il dit. Je vais pas compris, j'ai pas compris. Là-bas, il y avait un coffre. Par ici. Ouais. Je veux... Et en fait, je l'ai ouvert et je l'ai pingé, mais vous étiez en train de faire les nids. Mais il est tout pourri, votre coffre. Oui, en plus, c'est nul. Ouais, bah voilà. Hein.
Ah, loupé. Non, je le savais. Bon, allez, qu'on en finisse. On la voit. Laisse-moi donc passer quelque chose d'un peu plus confortable. Oula ! Alors, un peu de calme, Serpentine. N'allons pas trop vite en besogne. Allons, je pensais que tu voulais la paix. Laisse-moi t'aider à trouver la paix intérieure. On se détend, ma belle. J'ai pas été conçu pour ce genre de configuration. Tu sais, c'est la première fois que je sers un robot. Allez, téléport. Oh mince, j'ai plus de sort. Il faut que je file d'ici. Oh, 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 oh. Bon, les négociations sont finies. Un festin. Tu me prends ça. Et d'un coup, il monte. Oh la vache, je me suis fourré dans un sacré pétrin. Oh la voix. Je savais que tu vas se tirer. À présent, aide-moi. Tout ce sable bouge. Oh, ouais. Puissance maximale. Osa!
désormais redevable. Au moment de mon choix, je te sommerai donc de commettre des actes innommables et tu t'exécuteras. Quelle journée! Bon, on n'a plus qu'à annoncer la bonne nouvelle à Quimble. Ah non, j'ai glissé. Les Ophidiennes ne devraient plus vous déranger. Alors, les négociations se sont bien passées? La diplomatie a fonctionné? Comme un charme de niveau 9! Oui, la main ferme de la diplomatie associée à sa douce cousine, la violence. Ah, je vois. Bon, tant que je peux travailler en paix, je suis satisfait. Bien joué! Piou! Maintenant qu'il n'y a plus d'ennemis à proximité, je peux enfin faire une longue sieste. Alors, il y a des gens qui passent des niveaux. Oui. On a vu. Je t'ai reconnu ça à l'onger. Oh. J'ai récupéré une arme qui était ultra.